À chaque alerte, les mêmes gestes. Quand tu veux. La même adrénaline avant le décollage. C'est tout bon dans la machine. Et pression, température, monte les moteurs. Quand Magali Perrault est aux commandes, c'est pour des urgences. Dans des conditions extrêmes, quelle que soit la météo, elle part secourir des victimes en détresse. Je pense que ça doit être eux, c'est les seuls sur l'eau. Là où personne d'autre ne peut aller les sauver. C'est parti. Magali nous ouvre les portes de son univers de pilote d'hélicoptère et chef de base. C'est même la seule femme en France. Cinq personnes sont sous ses ordres. On va faire un entraînement treuillage naufragé, comme on a l'habitude d'en faire. Un quotidien extraordinaire, un rêve d'enfant, mais surtout beaucoup de travail. 4300 heures de vol, 12 ans qu'elle est pilote. C'est mon carnet de vol. C'est le même que j'ai depuis que j'ai commencé à voler en 2011. Et c'est là où tout prend son sens. On se retrouve seule avec la machine. Magali est la seule femme pilote d'hélicoptère de la sécurité civile contre 109 hommes. Mais pas question d'être un symbole. Elle est pilote avant tout. Quand on me dit tu es la première femme ou tu es une des rares femmes, il y en a eu deux avant toi, est-ce que tu veux les appeler pour... Je dis non, je suis pilote, je vais faire mon boulot de pilote comme tous les pilotes. Retour justement dans les airs. L'exercice délicat commence. L'hélitreuillage. Derrière, tout le monde est sécurisé, je peux ouvrir la porte. La pilote doit stabiliser l'hélicoptère au-dessus du naufragé, malgré le vent, pour laisser descendre le secouriste à plus de 10 mètres au-dessus de la mer. Allez, il est désécurisé. Début de descente. Il faut être rapide, précis, synchronisé pour mettre en sécurité la victime. 5, 4, 3, 2, 1, top avance, il est dessus. S'écouter. Je vais sortir doucement. Pour réussir cette mission délicate en équipe. Entraînement réussi. Chaque année, 18 700 interventions en hélicoptère pour la sécurité civile. C'est plus de 14 000 personnes secourues. Rapatriées au plus vite auprès des hôpitaux pour être soignées. J'aime bien m'entraîner dans des conditions un petit peu plus délicates au niveau météo. Et donc moi, toujours contente. Toujours la vue extra. Il fasse beau ou pas beau, c'est génial. À peine notre tournage terminé, Magali redécolle pour venir en aide à une petite fille au tibia cassé, servir pour sauver, une devise pleine de sens.